What? Tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui, on va donc parler, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, à propos de GTA V, d'une catégorie en fait, à propos des braquages, et on va plus se concentrer au niveau des masques et tout. Et juste avant, je tenais vraiment à vous préciser que je vous donne mon snap personnel dans la description, et que si vous voulez me parler et tout, puisque je réponds quasiment à tout le monde, eh bien n'hésitez pas, moi ça me fait extrêmement plaisir, ça vous fait plaisir aussi en même temps à certaines personnes, donc n'hésitez pas. Franchement, c'est gratuit tout, et ça demande aucun no society quoi, c'est avec plaisir. Bref, on va commencer cette vidéo là avec le premier masque. Excusez-moi si les images sont petites ou si la résolution n'est pas super bonne, parce qu'en fait, vu qu'on prend sur des screens et tout, eh bien des fois ça peut, voilà, c'est des petites images et tout, on peut pas les agrandir tout en gardant une très bonne qualité. Je vous ai montré là juste à l'instant deux images de masques en quelque sorte. Alors, ça me fait rire un peu en quelque sorte, parce que ça peut être des masques un peu pauvres, hein. J'ai l'impression que le mec il met juste une sorte de sachet sur la tête. Ouais, et bon, ça va arriver dans ce DLC là, à mon avis, vous allez pouvoir aussi payer les masques en fonction bien sûr de leur qualité. Ici on peut se retrouver vraiment avec une vraie cagoule entre guillemets, hein. On voit bien que ça a été coupé et tout avec un ciseau un peu de façon vite fait, mais voilà, ça je préfère, c'est sûr qu'on préfère avoir ce genre de choses et bien dans un braquage. Ici on se retrouve avec un vrai masque, vraiment au niveau, surtout le visage tout simplement, donc c'est voilà quelque chose de typique, et avec, on peut voir par exemple des petits smileys, des trucs comme ça, ça fait penser un peu par exemple ici un peu Anonymous entre guillemets. C'est peut-être pas bien ce que je dis en vidéo parce que ça a aucun rapport avec le braquage, je suis d'accord avec vous, c'est juste pour vous donner une petite idée. Alors là on va se retrouver avec plusieurs images, malheureusement elles sont assez petites parce que si je les agrandis et tout ça sera super flou. Il y en a qui vont me dire c'est super flou Christo et tout, et donc en fait ce sont carrément des masques en fait que tu mets, enfin c'est limite un casque quoi, tu mets sur la tête, et voilà, c'est des petits trucs qui font assez peur et tout. Et comme là je suis en train de vous montrer une deuxième image de la même catégorie, où à mon avis ces casques là, enfin ces masques là vont coûter un peu plus cher, ils sont beaucoup plus réalistes et tout, et beaucoup plus fashion, et à mon avis c'est des choses qui se feront la plupart du temps et bien dans ces fameux DLC braquage. Donc comme ici où je vais vous montrer juste dans quelques secondes une autre image, on peut se dire aussi qu'il y aura plusieurs étapes au niveau des masques, c'est à dire que lorsque vous allez commencer avec comme les sachets de plastique que vous allez mettre sur la tête, et puis après peut-être passer aux cagoules, et puis après passer à des masques comme ça, et puis après peut-être dans le temps, parce que à mon avis ça devra peut-être coûter plus cher, et bien passer à ce genre d'accessoires que vous allez mettre quasiment, enfin carrément sur la tête, avec celle-ci aussi plutôt jolie avec les petites traces de sang et tout, et puis vraiment le, on va dire un zombie quoi. Et bon, c'est sûr qu'on reste dans la même chose, hein. C'est pas ce qui va vous intéresser le plus, mais vous savez quoi, ce genre de petits détails fait extrêmement plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez sur ça, mais moi je pense que voilà, c'est des petites choses qui vraiment enrichit vraiment le jeu, et je pense que ça peut être une très bonne idée. Même là, regardez cette image là, on a l'impression que c'est un zombie plus on a l'impression une sorte de pharaon, enfin voilà, vraiment le mort-vivant en quelque sorte. Et je pense que ça peut être assez délirant avec ses potes et tout de se mettre dans des situations pareilles. Et on va terminer avec la dernière image, mais pour moi qui est la plus jolie au niveau des masques et tout. Et voilà, super bien réalisé, développé et tout. Franchement, GG à Rockstar, parce que quelque sorte, enfin en tout cas très beau boulot à Rockstar, parce que voilà, ces DLC là sont gratuits, rappelons-le, et ça fait extrêmement plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, merci du petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur Snap, moi ça me fait super plaisir. Si ça vous fait super plaisir, n'hésitez pas, parce que je réponds à tout le monde normalement. Il peut avoir des petits bugs ou des trucs comme ça. Et puis de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Et puis voilà, moi je vous laisse. Merci pour tout. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Peace out.